Voici tous les diamants que j'ai actuellement sur mon monde hardcore. C'est clairement pas beaucoup. J'en ai même pas assez pour finir ce build. Ok, j'ai un beacon en full diamant, mais je peux pas récupérer les blocs. Donc pour montrer à tout le monde que je suis totalement pété de thunes, il me faut un moyen pour avoir une quantité illimitée de diamants. Et quoi de mieux pour ça que de construire une usine à diamants presque totalement automatique. Et puisque je vais tout faire pour avoir un maximum de diamants d'ici la fin de la vidéo, si vous voulez que je vous en donne, il va falloir vous abonner. Car à chaque personne qui s'abonnera à cette vidéo, je devrais miner un diamant de plus. Pour l'endroit où je compte faire mon usine, ça risque de pas être très compliqué. On va l'installer sur ce terrain-là. C'est-à-dire une zone assez plate, un peu à l'écart de notre ville là, et on fera l'entrée de la mine à cet endroit. Mais pour ça, faut que je terraforme le terrain. Le terrain est relativement petit, mais au pire je l'agrandirai par ici. Mais attendez, l'usine que je vais construire, elle va être en plein milieu de la jungle, juste à côté d'un arc-en-ciel qui promet la bonne humeur et la paix dans le monde. Mon usine au final elle va détruire toute cette cohérence. Bon écoutez, tant pis, en tant que bon capitaliste, il va falloir qu'on récupère toutes les ressources nécessaires pour la construction de l'usine. C'est pour ça que notre usine, on va la construire avec, attendez je cherche, des blocs d'andésite, du béton noir, vous comprendrez pourquoi plus tard. Alors pour récupérer de la brique dans mes souvenirs, va falloir que je récupère énormément d'argile, mais ça risque d'être assez long, surtout que dans les rivières, il y a pas non plus énormément de fil. Ah mais non, mais j'ai une autre solution. Elle va être super facile. Pour ça, j'ai besoin de récupérer 2 shulkers, puis d'aller voir nos amis les villageois, et je peux normalement leur échanger de l'émeraude contre 10 briques. Je veux rien savoir, c'est le move le plus rentable de la planète. En plus de ça, ça permet de réparer nos outils. Ah, bah, j'ai déjà une shulker complète. J'irai refaire un tour là-dedans quand ça sera nécessaire. Car il y a une autre source dont je vous ai pas encore parlé qui va être aussi très importante et qui sera sûrement pas aussi simple à récupérer. Ça va être le cuivre. Je vais en avoir besoin d'énormément. Par exemple, pas seulement de minerais. En fouillant dans mes coffres, j'en ai encore un peu plus, mais ça ne sera évidemment pas suffisant. Malheureusement, je crois que j'ai aucune ferme à cuivre. Oh, quoique, attendez. Normalement, par ici, il devrait y avoir une sorte de générateur que j'avais trouvé au tout début de ma survie hardcore. J'avais une sorte de générateur à zombies qui, théoriquement, voilà, me donnait du cuivre. Je pense que ça vaut le coup de rester ici quelques minutes pour récupérer le plus de cuivre possible. J'ai attendu tellement longtemps qu'il commence à avoir des zombies qui meurent de suffocation entre eux. Est-ce que je vais réussir à récupérer du cuivre? Ah, seulement de lingots. Ok, ok, c'est pas comme ça que je vais farmer le cuivre. Je vais plutôt faire l'autre solution qui me paraît un peu plus réaliste et sensée, c'est-à-dire aller en grotte pour récupérer le plus de cuivre possible. Heureusement qu'il y en a vraiment plein rien qu'ici. Waouh, la taille du filon! Et ne parlons même pas de celui-là, il est incroyablement grand. J'ai jamais vu ça. Oh, je suis exténué. Mais au moins, j'ai tout ce qu'il me faut en termes de ressources. Oula, j'avais oublié. Mais avant de mettre tout ça dans le four, il va falloir que je pose ces minerais et que je les recasse avec ma pioche. Ah mais par contre, au final, j'en ai même peut-être farmé un peu trop. Ça, c'est le nombre de cuivre brut, rien qu'avec un stack de blocs. Ah oui, ça va en faire des blocs de cuivre. Ouais, ça fait beaucoup de blocs. Avec tout ça, je vais enfin pouvoir commencer à construire mon usine. Pour cela, quoi de mieux que de commencer par la délimitation du bâtiment? Ouais, ça me paraît un peu petit. Va falloir que je terraforme encore toute cette partie du terrain. Je vais faire ça vite. Et tada! Finalement, je pense que ça sera suffisamment grand. Après avoir fait les bases, je vais devoir m'attaquer aux arêtes. Et pour ça, quoi de mieux que de commencer par faire des piliers. Je sais pas de quelle hauteur on pourrait les faire. Genre, je pense que là, c'est pas mal. Ensuite, faut pas oublier les piliers d'andésite. Ok. Deuxième section terminée. Et j'en fais une troisième un peu plus grande. Ouais, quelque chose dans ce style rendrait super bien. C'est l'heure de vérité, je relis tout. Et oui! Oh, c'est bien sympa ce que j'ai fait. Mais pour l'instant, ça ressemble juste à un énorme cube, plutôt un pavé droit en fait, et j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais changer ça en commençant par remplir les murs sur les côtés, sur cette face là de l'usine, et sur celle-ci c'est là où je vais rajouter le moins de détails. Je vais plutôt me concentrer bien plus sur la façade avant de l'usine. Ce côté là est fait, celui là aussi, il manque encore toute cette façade. On perd pas de temps pour le posage des briques, faut pas que je m'arrête là. Il y a toute la partie supérieure de l'usine que je vais remplir de briques. Oh là 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 là, ces feuillages là, je sens qu'ils vont m'embêter. Donc je peux reboucher toute cette zone. Et ces fenêtres là, on va pas les faire de manière rectangulaire ou carrée, mais plutôt plates sur le bas. Aïe! Waouh, un bébé zombie avec une épée en fer. Je suis pas passé loin. Je disais que j'allais plutôt partir sur des fenêtres plates sur le bas et arrondies sur le haut. Ce design de fenêtre, par exemple, je le kiffe. Évidemment, au moment où je parle, il commence à pleuvoir. J'ai vraiment pas de... Oh, je me suis fait un nouvel ami. Par contre, c'est une propriété privée ici. Je ne laisse personne rentrer. Les fenêtres ici, c'est un bon début. Mais je vais pas me stopper là, car je vais y placer sur les côtés des blocs d'andésite. Le béton noir, je le place de cette manière. Ah, j'en ai déjà plus. Heureusement que je peux en récupérer très facilement en posant du béton en poudre dans le lac. Voilà ce que ça devrait donner de l'extérieur. Alors pour l'instant j'avoue c'est pas magnifique, mais il manque encore un élément très important. Pour ça je vais devoir aller chercher le bloc le plus important de la planète, celui que j'utilise dans chaque vidéo et qui est vraiment nécessaire dans chacune de mes constructions. C'est même le truc, bon là je fais exprès de parler et de rajouter des trucs juste le temps de le trouver. Ah voilà, c'est un tailleur de pierre. Ce bloc là j'en ai littéralement besoin dans chacun de mes builds, parce que grâce à ce bloc je vais pouvoir retirer toute la brique ici. Et c'est de cette manière qu'on verra la bordure en andésite. Regardez comment c'est sympa. Ouais bon, non 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 non, ça va pas, il va falloir que je revoie le design complet.
complet des fenêtres. Après pas mal de galères, je pense que je commence à me rapprocher d'un truc qui est plus que correct. Attendez que je termine. Ah ouais, là c'est tellement plus joli comme ça. Il y a encore peut-être quelques détails à rajouter, par exemple avec des escaliers, mais là j'ai juste plus rien à redire. Je vais donc faire cette face là, de ce côté là et sur l'avant de l'usine. Heureusement que c'est un design vraiment super facile à répéter. Il est temps de s'occuper de la section du milieu qui cette fois-ci sera un peu plus ornée de détails. Alors pour ça on va utiliser évidemment le tailleur de pierre qui va nous servir à faire des escaliers polis, mais j'ai pas assez de blocs, il va falloir que j'en recherche. Oh. Oula, bonjour toi. Je crois que j'ai un camarade qui m'aime pas vraiment. Du balai. Oh. Après une courte sieste, occupons-nous des deux autres côtés. Certes, pour l'instant, ça vend pas du rêve ce que je suis en train de faire, mais attendez un petit peu et vous verrez à quel point ce que je fais est incroyable. Oui, j'essaye de m'auto-convaincre. Ok, là je commence à être pas mal, mais si je construis juste un bloc de béton comme ça, ça sera pas magnifique. C'est pour ça que les murs de l'usine seront un peu posés de manière irrégulière. C'est bien, mais c'est pas encore fini, il manque encore ce côté-là. Oula, j'étais tellement concentré que j'ai oublié de dormir. Ah, voilà, c'est ça, battez-vous entre vous. Oh non, il y en a un troisième qui se rajoute. Allez, oust. Heureusement que j'ai appris à me défendre. Moi. Pour le toit, on va enfin pouvoir utiliser le copper qu'on a pu farmer. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. C'est bon, j'ai toutes mes shulkers ? Apparemment oui. Oh là là. Est-ce que le tailleur de pierre marche sur le cuivre ? Oh oui. Écoutez, je vais tenter des choses et si j'aime pas, je changerai. Non mais là, c'est bon, j'en ai marre. Ça rend pas exactement comme ce que je voudrais que ça soit. La seule manière de réussir à faire ce que je veux, ça va être de tout détruire pour tout recommencer. Ça saoule, vous savez pas à quel point. Parce que mon but c'est pas que de faire du build, c'est de construire une véritable ferme à diamants. Mais je pourrais pas la construire tant que j'ai pas une belle usine. Alors là, je dis directement oui, c'est 100 fois mieux comme ça. Il manque plus qu'à mettre le petit toit, on pense aux détails, et je crois que c'est fini. Nous voilà avec une extension d'usine super belle. Oh, je kiffe. J'ai mis plus de 30 minutes à tout modifier, j'ai rajouté plein de petits détails partout qui font la diff. Mais c'est loin d'être terminé, car par exemple ici, je dois remplir toute cette zone de briques. Puis il manque évidemment les fenêtres au deuxième étage. Il y a peut-être un truc quand même à modifier, c'est ces blocs d'andésite. Est-ce que je pourrais pas les remplacer par des escaliers? Ah non mais oui, c'est bien mieux comme ça. Je pense que je vais devenir vitrier, je sais trop bien faire les fenêtres. Non mais regardez-moi cette expertise. Et tada! Deuxième étage terminé. C'est cool, petit à petit on se rapproche de la fin. Et en parlant de fin, à cet endroit je pense que je vais construire une énorme toiture. Avec justement plein de dalles de cuivre. Un bloc de cuivre égale 8 dalles. Ah bah j'en ai carrément crafté trop. Je pense qu'on est assez haut comme ça. Je fais la même de l'autre côté. Si vous voulez une information totalement inutile, sachez que ce toit en cuivre a coûté pile poil un stack de blocs. Vous faites ce que vous voulez de cette information. C'est reparti pour poser un max de dalles. Oh my god, ce que j'ai réussi à faire est incroyable. C'est de toute beauté. Mais par contre, je vois qu'il y a déjà des dalles qui commencent à s'oxyder. Alors que ça fait que 5 minutes que j'ai posé la dalle. Il y a par contre un petit truc dont j'ai pas vraiment fait gaffe, c'est le sol. J'ai absolument rien éclairé. Heureusement, ça tombe bien, j'ai quelques torches sur moi. Je m'apprête à faire quelque chose d'extrêmement dangereux. Ouais, bon, allez, on saute et on va éclairer le tout. C'est parti. Pour l'instant, ça va, je me suis pris aucune balle. Oh là là, mais les esquives de fou que je fais. Aïe. Ah bah non, ça commence. Ah, j'ai jamais vu autant de monstres sur moi. Il y a encore quelques monstres au-dessus des fenêtres, mais on va pas y prêter attention. Pour la partie supérieure de l'usine, je vais y mettre des escaliers ici, dans chaque coin, puis faut pas que j'oublie de faire les murs, le toit de l'usine je vais aussi le faire avec des escaliers en cuivre, ça passe plutôt bien, mais il nous manque encore une chose à notre usine, déjà évidemment des fenêtres à cet endroit, voilà elles sont faites rapidement, et l'autre chose super importante dont on va avoir besoin, va être d'avoir des cheminées, et je vais recopier exactement ce design, souhaitez-moi bonne chance, ça va faire une demi-heure que je suis en train de construire nos cheminées, là ça commence à vraiment ressembler à une usine, mais la touche finale du bâtiment va se situer en haut des cheminées, pour ça je vais avoir besoin d'aller récupérer un tout petit peu de blé, que je transforme en bottes de foin, puis il va me falloir du charbon, des bûches de bois, et le dernier truc c'est les bâtons pour me faire deux feux de camp. Hop, ouf, ok, de justesse. Et normalement grâce à la botte de foin, la fumée va s'élever beaucoup plus haut dans les airs. Regardez juste la différence entre cette cheminée et celle-ci. Je crois qu'on peut dire officiellement qu'on a terminé notre usine. Ah, oula, non, non, pas encore. Faut que je me dépêche de faire toute la devanture. On va pouvoir s'attaquer à l'intérieur de l'usine, et c'est-à-dire à la ferme à diamants. Cette ferme à diamants, elle est assez compliquée à mettre en place. Et pour ça, je vais devoir creuser sous le sol, jusqu'à la couche des diamants. J'ai un peu la flemme de miner de cette manière jusqu'à la couche moins 60. Heureusement, vous me connaissez, j'ai toujours une solution. Cette solution, elle est toute simple, on va devoir utiliser de la TNT. Et pas mal de TNT, pas seulement un stack. Heureusement que j'en avais déjà farmé au préalable, jusqu'à présent c'était de la théorie, maintenant on va passer à la pratique, qui me fait assez peur. Je descends en ligne droite de cette manière, jusqu'aux couches négatives. Oh, une grotte. Elle est pas très très intéressante. On va remonter un petit peu quand même, et on va s'arrêter à la couche moins 48. Bon, là je suis relativement coincé, mais vous inquiétez pas pour moi, j'ai la solution. Je vais poser un maximum de TNT pour remonter à la surface. Je sais toujours pas si ce que je fais c'est une bonne ou une très mauvaise idée. C'est pour l'instant le moment le plus stressant de la vidéo. 3, 2, 1, on allume la TNT. Allez, on s'en va. Mais c'est parfait. Regardez-moi ça. Tout fonctionne. Waouh, waouh, attends, faut pas que je tombe. J'ai très envie de tester quelque chose depuis tout à l'heure. C'est de sauter et de tenter de faire un MLG jusqu'à la couche minimum. Attention, c'est parti. Allez, on saute. Oh, 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 est-ce que je vais y arriver? Oui, voilà, bah parfait. Bah, je peux dire de plus. Bon, notre ferme, on va la construire à cet étage-là, dans cette direction, par exemple. Oh, bah voilà, du diamant. Bah, notre ferme commence très bien. Si on veut être efficace dans le minage des blocs, on va devoir faire un minimum d'espace. Et pour ça, je vais devoir utiliser de la TNT encore une fois. Je pense que c'est un bon compromis pour miner de manière rapide et efficace. Je pose la TNT. Eh hey, mais c'est super efficace. Encore du diamant. Non mais c'est quoi cette chance? Ok, on est dans un bon filon. Mais un bloc plus loin, il y en a encore. Ça va jamais s'arrêter. Et boum.
Allez, bon, j'ai même plus besoin de parler, hein. Je vois qu'on est ultra chanceux. Maintenant que la zone est suffisamment grande, je vais devoir la clean. C'est-à-dire retirer tous les blocs qui vont nous gêner. Pour ça, je me mets ici, je saute, hop là. Non mais on dirait pas, mais c'était du boulot de faire tout ça. Certes, on a plein de place, mais maintenant il va nous falloir les matériaux pour construire la ferme. Et ça va pas se faire tout seul. Dans cette shulker, je vais y mettre toutes les ressources dont je vais avoir besoin. Ça va commencer par des blocs de slime, des rails détecteurs, un wagonnet et plein d'autres blocs un peu bizarres. Ces blocs ils sont bien sympas, mais il va m'en manquer encore quelques-uns, comme par exemple le bloc-note. Et pour ça, je vais devoir utiliser le peu de diamants qui me reste. Ah mais non, mais c'est pas un jukebox que je dois faire. C'est un autre bloc et ça se craft avec juste de la redstone. Mais c'est pas encore fini. Le prochain bloc que je dois récupérer se situe dans l'océan. Pour ça, faut que je trouve un océan chaud de préférence. Oh là là, je sais plus du tout. Il y en a moi des océans chauds dans le coin. C'est pas du tout par là que je vais pouvoir trouver quoi que ce soit. Ça y est, je crois que je viens de me rappeler d'un endroit où je pourrais trouver un océan chaud. Par contre, il est vraiment très très loin d'ici. C'est normalement vers notre royaume médiéval, juste à côté du temple de la mer. Oh non, mais me dites pas que j'ai fait fausse route. J'étais persuadé d'en trouver un par ici. D'accord, donc j'arrive à trouver un biome champignon, mais un simple océan chaud, c'est pas possible. Let's go, enfin. Cet océan, il est quand même à plus de 8000 blocs de chez moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le plus possible de corail, parce que oui, c'est le bloc dont j'ai besoin. Et comme ça, à chaque fois que j'en ai besoin, je serai pas obligé de faire un aller-retour. Je pense que ça devrait suffire. On peut rentrer à la maison qui se situe bah là, je sais plus. Je peux plus voler. Ouf. Pourquoi mes élytras se sont cassés? Oh non, mais je suis coincé au sol, à 2500 blocs de chez moi. Oh. Et en plus, je vois littéralement aucun mob qui pourrait nous aider à réparer nos élytras. Ah non, enfin, des cochons. Ça les a pas beaucoup réparés, mais c'est déjà ça. Ouais, là, il y a plein de mobs qu'on peut tuer. Comme je suis rentré, je vais pouvoir passer à la récupération du dernier bloc et il va se situer dans le Nether. C'est le plus important, littéralement. Je vais devoir trouver de la Netherite. Et malheureusement, pas qu'un seul bloc, mais plutôt 3 débris antiques. Ça tombe bien, je viens de tomber sur 2 débris antiques. Allez, avec un peu de chance, il y en a peut-être un troisième dans le coin. Apparemment oui, j'avais pas besoin de chercher pendant trop longtemps. Ouais, il y en a même un deuxième. De retour à notre usine, on va pouvoir commencer la construction de notre ferme. Cette machine, si je dis pas de bêtises, elle est assez simple à construire. Pour ça, il faut mettre des blocs un peu n'importe comment, avec par exemple un piston ici, un muret là, et plein d'autres blocs posés de manière un peu bizarre. Je vais devoir aller rechercher un autre piston. Je casse tout ça, puis normalement, je crois qu'on est bon. Le problème, c'est que j'ai dû louper quelque chose, parce que j'ai toujours mon piston collant sur moi. J'espère que ça va pas tout casser, le fait de casser ce piston-là. Parfait, ok, c'est bon. Normalement, tout est bon. Y'a plus qu'à appuyer sur ce bloc-note, et... Oh... Oui, ça marche. C'est parfait. On va pouvoir récupérer un max de diamants. Non mais regardez-moi cette efficacité. Après, pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à trouver de diamants. Alors peut-être que pour être plus efficace, je vais pas devoir me limiter à une seule machine, mais plutôt à 3 machines. Ah, je vous le dis, ça va être une tuerie. Par contre, je les ai toujours pas testées, donc à tout moment, ça peut casser. Allez, premier test. Est-ce que tout fonctionne bien? Oui. Boum. Et pour celle-ci... Oh non. Je dois reconstruire tout ça. On a rien vu. C'est l'heure de vérité. Et ouais, là, ça marche parfaitement. Let's go. Je suis sûr que je vais trouver du diamant rapidement. C'est pas du diamant, mais au moins il y a un peu de redstone. En voilà encore plus. Ça je récupère, c'est super important, à chaque fois j'en manque. Ouais, du diamant. Je vous avoue que par contre pour l'instant, le niveau de rentabilité il est pas top. Ça m'a coûté beaucoup trop cher en débris antiques. Encore un peu de redstone, du lapis aussi. Vous savez quoi, je vais farmer pendant une demi-heure pour savoir combien de minerais je vais pouvoir récupérer au total. On fait gaffe aux mobs et je lance le chrono. Je m'arrête là, ça va faire 30 minutes que j'ai commencé à miner et voici le résultat. J'ai réussi à miner super loin. Avant de vous montrer le résultat de tout ce que j'ai pu miner, j'ai malheureusement dû abandonner cette machine. Il y a un énorme lac de lave devant et pour le boucher, ça risque d'être un peu compliqué. Bah, pourquoi ça marche plus? Bon, tant pis, on s'en fiche, car il est temps de vous révéler tout ce que j'ai pu farmer sur toute cette longueur là. Et ça en fait des blocs minés. La preuve, tada! En 30 minutes avec 3 machines, récupérer 29 blocs de diamants, je trouve vraiment ça pas si mal. Surtout qu'au total, si on les transforme, ça nous fait déjà un peu plus d'un stack. Donc oui, avoir 3 machines, c'est super efficace. Surtout qu'avec tous ces diamants, on va pouvoir les utiliser pour faire notre salle des armures. Elle sera juste ici, dans la grande extension que j'ai construite. Mais juste avant de la décorer, faut absolument que je mange. Ça devient super urgent. Où est-ce qu'il y a de la nourriture? Je me rappelle avoir mis des carottes dorées dans un coffre, mais je sais plus exactement où. Est-ce que c'est par là? On va quand même pas se nourrir avec une pomme de notch. Ça y est, j'ai plus assez de nourriture pour courir. La dernière solution va être d'échanger des émeraudes contre des carottes dorées. C'est bon, je peux enfin me nourrir. C'est dingue d'avoir un monde autant évolué et de quasiment pas avoir de stock de nourriture. Bref, retournons à notre salle des armures et décorons tout ça. Dans cette salle, j'aurai largement de quoi mettre tout ce que je veux. En commençant par son utilité principale, c'est-à-dire y mettre une table d'enchantement genre ici, ensuite y placer des bouquins un peu partout. Ah mince, c'est pas symétrique. On a rien vu. La bibliothèque, elle se fond parfaitement dans le décor. Maintenant, je place de la décoration. Ouais, les composteurs, c'est de la décoration. Avec des fleurs de cerisier, ça rend trop bien. Donc on a la nature, on a l'enchantement, mais il va nous manquer le plus important, le stuff. Pour ça, j'ai plein de porte-armures que je vais devoir décorer. Je viens de faire un bug. Comment j'ai pu faire ça? Je vais pas poser plus de questions. Premier stuff, on passe au plastron. Aïe, j'ai plus assez de diamants pour pouvoir finir les stuffs. En attendant que je retourne en chercher, il va falloir continuer de décorer cette salle. Il manque l'établi que je vais placer juste ici. Eh, hey, je pense qu'on peut dire qu'on est pas mal. Va juste falloir que j'aille récupérer un peu plus de diamants. Donc on saute et plouf pour miner encore un petit peu. Mais cette fois-ci, je vais devoir le faire qu'avec 2 machines seulement. La troisième est cassée et j'ai un peu la flemme de la réparer.
En termes de diamants, là, je pense que je suis à peu près bien. Surtout que j'ai vraiment pas mal miné. Hein. On ne voit quasiment plus les machines. Avec tous ces diamants, on devrait en avoir largement suffisamment pour pouvoir terminer nos armures. Attendez, quoi? Même pas? Il nous reste encore à faire 3 bottes et un plastron. Malheureusement, ça vous prouve que mes machines ne sont pas super efficaces. Par contre, tous les minerais que j'ai réussi à farmer, je vais les garder bien précieusement dans ce tonneau. On ira jeter un coup d'œil à la fin de la vidéo pour savoir combien de minerais on a pu farmer. Mais je crois qu'il va falloir se rendre à l'évidence. 3 machines plus une cassée ne suffira jamais. Pour ça, il va falloir qu'on améliore les machines. Pour l'instant, elles sont toutes individuelles, mais qu'est-ce qui se passerait si j'en construisais 4 juste ici? Et en plus, toutes ces machines sont reliées. Non mais oui, je vous raconte pas, c'était énormément de taf. Surtout qu'il va encore nous manquer une chose pour pouvoir les terminer. Ça va être, ouais, les 3 blocs de netherite. Donc il va nous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 débris antiques. On va chercher ça en vitesse. Je sais pas du tout si c'est une zone très propice au minage de netherite. Ah bah super, on tombe sur un de mes tunnels. Oh, let's go! En plus, il y en a 3. On commence très bien. Let's go! À ce rythme-là, je devrais y arriver dans pas trop longtemps. Si, on m'embête pas trop. Un de plus. Oh non, il était tout seul. Et voici nos 2 derniers débris antiques dont on avait besoin. Je suis tellement heureux que je vais pouvoir vous faire un tour de magie. En lançant cette Thunder Pearl, je vais directement nous téléporter à la base. Et hop là! Ça a trop bien marché. On place les débris antiques et c'est l'heure de vérité. En appuyant sur ce note bloc, tout devrait se déclencher ou pas. On croise les doigts. Allez, 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 allez. Oh, let's go! Ça marche! Oh, ça va être tellement plus rapide que les autres machines. Je vous assure qu'avec cette ferme, on va pouvoir aller bien plus vite dans le minage des diamants. Regardez la preuve, on en a déjà un. Elle marche étonnamment super bien. Et voilà, il pleut carrément du diamant. En plus de ça, j'en ai déjà récupéré 4. Oh là là, je sens que le minage va être super rapide. Et bah j'ai plus qu'à farmer comme ça en ligne droite pendant très longtemps. Aïe 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 aïe, tout a été détruit. Tout ça à cause d'un creeper. Je sais pas pourquoi il y a plein de monstres. Il va falloir que je reconstruise tout. Encore heureux que c'est assez simple. Ah bah j'avais même loupé du diamant, parfait. Là aussi. Oh trop bien. C'est bon, j'ai enfin réparé la machine. Je peux relancer tout ça. Est-ce que tout marche? Et oui. Parfait. Je vais malheureusement devoir m'arrêter là. Ça fait plus de 2 heures que je mine et on ne voit quasiment plus le bout du tunnel. Le nombre de diamants que j'ai pu récupérer est impressionnant. Et voici tous les diamants que j'ai pu farmer. Comme ça, on dirait qu'il y en a pas beaucoup. Mais si je les récupère, on en a plus de 1 stack. Maintenant je vais devoir les transformer et avec la pioche fortune 3, je risque d'en avoir beaucoup plus. Regardez-moi tous ces diamants, ça y est, on est enfin redevenu riche. Un stack, je croise les doigts pour en avoir 3, un deuxième stack, un troisième et 13 diamants. Mais il nous reste encore 2-3 petits trucs à faire, comme déjà un petit peu plus améliorer l'intérieur de notre usine. Pour ça, je vais pas faire le difficile, je vais utiliser un maximum de bois d'acajou. Waouh! Eh bah, comme ça, c'est un peu plus propre. On peut dire que notre usine respecte enfin les normes d'hygiène. Le problème, c'est que notre usine, de loin, on dirait absolument pas qu'elle sert à miner du diamant. Et pour ça, quoi de mieux que de rajouter un immense diamant au centre de l'usine? Regardez, même le temps est d'accord avec moi. Pour faire ce diamant, on va avoir besoin de béton blanc, si je dis pas de bêtises, de béton cyan, aussi pas mal de laine cyan, du béton noir et évidemment des diamants. Pour les diamants, je vais devoir faire un maximum de blocs. Au pire, il me reste encore 22 minerais, mais j'aimerais bien en garder un peu en réserve. On est parti, alors le béton noir, ça va servir à nous faire le contour. Ensuite, le béton blanc ici, il sert à faire les pixels juste en dessous. Comment je pourrais descendre là? Ah! Moi, je suis pas sûr de la position, je vais le reconstruire un bloc au-dessus. Aïe aïe aïe, je me suis encore trompé, c'est pas 5 de large finalement, c'est 4. On va arrondir à 3. Après, si je fais ces approximations à peu près pour tout, je suis pas sûr que notre diamant ressemblera au final à un vrai diamant. Mais faites-moi confiance, j'ai déjà dépensé la moitié de mes blocs et je suis au tiers du diamant. Les contours sont finis et reste l'intérieur. C'est la partie un peu compliquée puisque tout ce qui est vide, il va falloir qu'on le bouche avec du diamant. Aïe aïe aïe, il m'en manque encore un tout petit peu. La dernière solution, ça va être d'aller en reminer. Oh là, oh le mec un peu bête. Avec cette machine, on risque d'être encore super efficace. Oh, j'ai cru voir du. Oui, du diamant. En fait, utiliser cette machine, je trouve ça presque hypnotisant. C'est un peu comme si on jouait à la roulette russe. Et bah voilà. Bah la roulette russe a bien fonctionné. Encore du diamant. Et là aussi. Là encore. Encore un peu plus. C'est un beau filon, ça fait plaisir. Je m'arrête là, j'ai suffisamment miné. On ne voit quasiment plus la machine. Je croise les doigts pour avoir suffisamment de blocs 9. Je suis pas vraiment sûr que ça passe. 1, 2, 3, 4. Oh non, il manque tout ça. Oh tant pis, je mets du béton sur. Pour voir le résultat, je prends mon envol, je me retourne et oh my god, c'est trop beau. Bienvenue dans mon usine à diamants. Waouh, je kiffe. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à mon Instagram, c'est super important. Et n'oubliez pas qu'à chaque personne qui s'abonnera sous cette vidéo, je farmerai un diamant de plus. À bientôt.